Comme juste de venir visiter les travaux de curage, les travaux de curage qu'on a fait sur les ouvrages qui aboutissent ici à Lindénier. Vous savez que le président de la République va inaugurer le pont à Auban le samedi. Alors, ce projet-là, il y a beaucoup de projets qui ont cours en même temps dans ce périmètre de Lindénier. Il y a la partie infrastructure, notamment c'est le pont, c'est l'échangeur et tout ça. Mais in fine, à la fin de la journée, ce que le gouvernement essaie de faire, c'est la valorisation de la baie de Cocody. On voudrait avoir ici des navires de plaisance qui arrivent, des restaurants, des magasins. Et pour cela, il faut régler les problèmes d'assainissement. Ici arrivent toutes les eaux usées. Les eaux usées, c'est quoi? C'est les eaux de nos toilettes, les eaux de nos cuisines, qui viennent depuis Abobo, depuis Anyama, depuis Agamé, qui arrivent ici, Cocody, qui arrivent ici. Donc notre rôle à nous, c'est de régler ce problème d'arrivée d'eau usée, d'arrivée de sédiments, d'arrivée d'objets flottants, d'ordures. Alors, ce canal-là, ça fait peut-être une dizaine d'années que personne ne pouvait voir le fond du canal à cause des dépôts de déchets, de sable, de tout ce que vous voulez. Alors, ce que nous avons fait comme travail ici, parce qu'il y a ce bassin, il y en a un devant Fraternité Matin, un autre côté lycée technique, nous retenons tout ce qui est déchets en amont. Ce n'est pas un travail facile. Donc on a mis des dégrilleurs, ce qui était ici avant, on l'a enlevé. Il y a un dégrilleur à Fratmat, un autre au lycée technique, qui arrête tous les objets solides qui étaient entraînés par les eaux ici. Vous sentez encore des odeurs, parce que ce sont des eaux usées. Il faut qu'on règle le problème définitivement, parce que ces eaux-là, normalement, doivent être traitées avant de venir vers la lagune. Ce que nous essayons de faire, il y a deux choses. C'est de contourner la baie, c'est-à-dire les eaux usées, les envoyer ailleurs. Mais il y a des travaux à faire. Ces travaux vont prendre quelques mois. Il faut plusieurs mois pour faire ces travaux-là, pour contourner la baie. Et si des eaux doivent arriver, c'est de les traiter. On doit construire des stations de traitement de ces eaux-là avant que ça n'arrive là. Donc c'est plusieurs années d'ordures, de déchets qui sont comptés, déposés ici, déposés en dessous de la lagune. Tout ça doit être curé pour qu'on puisse vraiment... les odeurs puissent disparaître et qu'on n'ait plus d'eau usée dans ce canal qui arriverait à la lagune. Nous avons déjà lancé une étude. Et cette étude n'est pas seulement pour la baie de Cocody, c'est l'ensemble du périmètre lagunaire. Cette étude a identifié toutes les arrivées d'eau usée. Il y en a une trentaine de zones d'où arrivent les eaux usées qui arrivent dans la lagune. Ça a été identifié. On a déjà signé avec deux grands bureaux d'études, y compris le BNET, pour nous dire les travaux qu'il faut faire pour intercepter ces arrivées d'eau usée. C'est ça qui va prendre du temps. Les études vont commencer peut-être au mois de septembre. Ça va prendre peut-être 3 à 6 mois pour avoir les résultats. Une fois qu'on aura les résultats, il faut maintenant trouver les financements. L'État, en tout cas, nous a donné les garanties pour qu'on ait les financements pour faire ces travaux-là. Moi, je dirais, c'est minimum encore une année pour avoir les premiers résultats. Quand on aura construit la station de traitement des eaux usées, quand on aura la station de pompage, qui est à quelques minutes d'ici, va fonctionner comme il se doit, on n'aura plus d'eau usée, en tout cas de ce niveau-là, qui arrive ici. On a également des eaux usées qui arrivent du plateau. On va les intercepter. Il y en a qui arrivent de Cocody. On va les intercepter. Et puis plus loin, du côté d'Anoumabo, nous allons également faire le même travail qu'on a fait ici, curer complètement le canal. C'est des milliers de mètres cubes de vases qui sont entreposés là-bas. Quand on aura curé tout ça, fait le même travail d'arrêt de l'arrivée des eaux usées, nous aurons une lagune qui va retrouver sa qualité, la qualité de l'eau d'avant. On n'aura plus d'odeur, mais ça va prendre, à mon avis, c'est pas avant 18 mois qu'on pourra avoir vraiment les premiers résultats tangibles. Parce que si on fait ici, il y a toujours Anoumabo qui n'a pas encore fait. Il faut qu'on fasse tout ça, qu'on traite du côté de Koumassi, le quartier Fouette-Boigny, campement, qu'on règle tout ça pour arrêter toutes les eaux usées qui arrivent en lagune. Mais nous devons continuer le travail pour que, ici, dans cette baie de Cocody, les gens puissent avoir des restaurants,
des magasins, que des bateaux puissent venir depuis l'aéroport ici. Ça va devenir vraiment une attraction touristique de premier plan. Donc il est important que ce travail se fasse. Tous ces problèmes qu'on rencontre viennent à 80-90% de notre incivisme à nous les Ivoiriens. Parce que tous les caniveaux que nous avons, on en fait des poubelles. On jette les ordures là-bas et quand il y a une petite pluie, la pluie transporte tout ça vers la lagune. Donc appelez encore nos compatriotes au civisme, à de nouveaux comportements. Évitons de connecter nos toilettes, nos eaux usées vers les caniveaux. Parce que tout ce qui va là-bas aboutit ici dans la lagune. Aujourd'hui, on ne peut plus avoir de poissons dans cette lagune parce que nous avons nous-mêmes pollué la lagune. Nous allons continuer la sensibilisation. Nous aurons la sensibilisation dans une main, mais nous aurons également la répression dans l'autre avec ces codes-là. Parce qu'une fois qu'on aura le code de l'assainissement, nous sommes en train de déployer en même temps la brigade d'assainissement et de salubrité, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Une fois qu'on aura les deux codes en vigueur, nous aurons il faut que les Abidjanais, les Ivoiriens s'habituent à avoir des agents de la brigade d'assainissement et de salubrité aller chez eux pour aller vérifier leur dispositif, leur système d'assainissement. Savoir qu'il existe déjà et savoir s'il fonctionne bien. Et s'il n'existe pas, ben il va avoir des sanctions pécuniaires, mais aussi des sanctions même punitives, des peines de prison.